Salut à tous, c'est Bullyman. Alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir les récompenses qu'il y a dans Pilgrim Outpost, donc le repère des pèlerins, donc sur Dying Light. Donc d'abord, pour savoir comment se connecter, on cherche Techland et c'est Gamer and Goodies, donc c'est ça. Et après en fait, ils ont tout refait leur site. Donc maintenant, official website, le store et tout. Mais bon, ça nous intéresse pas, ça. Nous, on veut Pilgrim Outpost. Donc le nouveau truc qui a été rajouté avec Spike. Alors, une fois qu'on a cliqué, normalement, si vous êtes déjà connecté avec votre compte, vous devez avoir ça. Donc ça veut dire que votre compte, il est bien connecté. Nous, tout ce qui nous intéresse, là, c'est les récompenses. Parce que tout ce qui est actualité, cadeaux, là, on s'intéresse pas trop. Après, on peut voir qu'il y a l'événement. Donc il y a l'événement qui est en cours. Viral Rush pour avoir la tenue de Raïm et pour l'avoir aussi en mode infecté, qui ça sera beaucoup plus facile de l'avoir parce que la tenue d'infecté de Raïm c'est une quête mondiale, donc comme ça tout le monde peut la faire et vous êtes quasiment sûr d'avoir la tenue d'infecté. Pour avoir la tenue normale de Raïm, je crois qu'il faut écraser ou et couper 1000 têtes de virulents, donc c'est beaucoup plus dur à faire. Mais bon, c'est pas grave, tant qu'on a la tenue virulente de Raïm, moi ça me dérange pas. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est contrat et armurerie. Donc d'abord, on va dans le contrat. Donc là, on voit, il y a Spike. Et en fait, Spike, il nous propose des quêtes. Donc il y a des quêtes hebdomadaires et quotidiennes qui peuvent porter sur plusieurs trucs, le mouvement, l'équipement, le combat. Donc vous pouvez voir que j'en ai déjà fait une. Et en fait, quand tu mets une quête, par exemple, éliminer 100 virulents, et bah quand tu la termines, tu peux avoir des PP, donc c'est des points en gros. Et si je vais sur mon profil justement, je peux voir les PP que j'ai. Donc là on peut voir que j'ai 308 PP sur 1200. Et une fois que j'en aurai 1200, je vais pouvoir augmenter mon rang de réputation pour avoir des jetons de pèlerin en plus. Et justement, c'est ça qui nous intéresse, les jetons de pèlerin. Parce que grâce aux jetons de pèlerin, on peut débloquer plein de choses. Des tenues, des armes, parapentes, des charmes. Il y a aussi l'outpost drop. Donc c'est un drop à acheter. Et on a une chance d'avoir une de ces 5 armes qui est spécialement pour le site. On peut les trouver nulle part ailleurs. On peut les trouver nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est grâce à ça que vous pouvez débloquer des récompenses. Sauf qu'il faut faire attention, il n'y a que 6 quêtes par semaine, vu que c'est hebdomadaire. Après, je pense qu'il y en a aussi des quotidiennes, des quêtes normalement. Et on peut en activer 3 par 3. Donc là, j'en ai fait une, donc je l'ai terminée. Et là, j'en ai mis une autre. En plus, ça va, vu que les quêtes, elles sont vraiment pas très dures. Elles sont très réalisables, donc... Donc c'est bénef, on peut jouer tout en gagnant des récompenses. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qui est intéressant dans le Pilgrim Outpost pour tout ce qui est récompense. Après, sinon, ça parle beaucoup des actualités, donc des nouveaux packs, des mises à jour et tout. Mais le plus important, les récompenses. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut !